Attends. Ça, c'était l'ancienne intro de l'Axa Clan. Maintenant, place à la nouvelle. Allez, maestro, lance-moi tout ça. Yo les gars, c'est Coloring, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va tranquille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le remarquer sur la AXA Clan. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc tout d'abord je vais commencer à introduire le gameplay avant de vous parler de pas mal de choses. Donc le gameplay c'est une DNA bombe, petite bombe ADN sur la map Comeback en... Capture the Flag, je crois bien, avec la balle 27 silencieux, poignée et chargeur Grand Cap, si je me trompe pas. Il était équipé du petit camouflage diamant qui fait plaisir, donc voilà. Donc le joueur, c'est un nouveau membre, donc c'est Kai Skizox, je crois bien, donc désolé si j'ai écorché ton nom. C'est juste que là, il y a pas mal de personnes qui sont rentrées, donc vous avez tous des noms un petit peu chelous. Donc voilà, donc c'est Skizox, donc grosse dédicace à lui. Donc de toute façon, sa chaîne sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller vous abonner et à jeter un petit coup d'œil sur sa chaîne. Donc, comme vous avez pu le remarquer, la AXA Clan a une nouvelle intro qui nous a été réalisée gentiment par Space Wolf, donc un autre nouveau membre. Donc, il est commentateur GFX et VFX. Donc, je pense que vous allez le voir pas mal sur la chaîne. Vous allez voir pas mal de créations de lui sur la chaîne. Vous allez avoir pas mal de commentaires de lui sur la chaîne aussi. Donc, merci à lui. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette intro. Donc, moi, franchement, je la trouve vraiment super belle. Elle est vraiment simple. Il n'y a pas des explosions de ouf parce que tous les Français utilisent des grosses explosions. Et lui, il voulait changer, rendre ça un peu plus professionnel, un peu plus calme. Donc voilà, donc la musique elle est un petit peu spéciale, donc dites-nous comment vous la trouvez, ou si vous la trouvez bien ou pas. Moi je trouve qu'elle est bien, je trouve que ça change. Donc voilà, donc sa chaîne sera aussi dans la description. Donc voilà, donc grosse dédicace à lui. Comme vous avez pu le remarquer, juste avant la nouvelle intro, il y a eu un nouveau logo qui a été réalisé aussi. Donc c'est lui qui a réalisé le nouveau logo de la AXA Clan. Un logo qui change mais complètement de l'ancien. Donc voilà, donc les nouveaux membres vont en avoir un nouveau chacun. Donc si pour les membres qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à lui demander, il vous fera gentiment vos nouveaux logos. Laissez-lui un peu le temps de tout réaliser, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire pour l'instant concernant les nouveaux designs. Donc une nouvelle bannière va être réalisée, donc laissez le temps que tout ça s'installe. Donc nous avons recruté pas mal de membres, donc pas mal de players BO2, pas mal de players MW3, pas mal de players Ghost aussi et 4 de players Advanced Warfare. Donc là on recrute plus du tout de commentateurs. Donc voilà, donc l'ancienne vidéo là je vais mettre que les recrutements sont off, mais dans cette vidéo les recrutements commentateurs sont off, les players BO2, MW3, Ghost sont off. Je recrute plus que deux players Advanced Warfare. Donc il faut avoir minimum 3 DNA bombes. Donc dites-moi tout ça. Donc vous m'ajoutez sur Skype. Vous me dites que si vous êtes intéressé pour l'AXA Clan, vous me dites directement les DNA que vous avez à réaliser. Moins vous avez de DNA à la balle 27, plus vous avez de chances d'être pris. Donc il faudrait minimum 3 DNA. Donc une DNA à la SMG, 2 DNA à la R. Si vous réalisez une DNA au pompe ou au sniper, vous avez encore plus de chances d'être pris. Donc voilà, après je vous dirai un petit défi que vous réaliserez. Donc voilà. Plus vous réalisez vos DNA dans un mode difficile, enfin ou un mode qui est vraiment peu vu par la communauté, plus vous avez encore des chances de rentrer dans la team. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à postuler, c'est vraiment très important. Donc voilà, donc là je pense que ça va être le dernier commentaire que je ferai pour l'instant dans l'AXA Clan. Maintenant je vais laisser tous les nouveaux commentateurs et tous les nouveaux players se présenter pour la chaîne. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup de sur ma chaîne, hein. Voilà, pendant que j'y suis, je fais un petit coup de pub. Voilà, j'ai bien le droit, moi aussi, parce que je me suis quand même donné pour la team. Donc voilà, donc de toute façon, ma chaîne sera dans la description, la chaîne du joueur Skizox sera dans la description. Gros GG à toi pour la DNA bombe. Au passage, là, il est implacable.
Donc voilà, désolé si un peu plus de... C'est un petit peu de spawn kill et spawn trap, mais c'est vraiment obligé parce que en capture the flag et en liaison satellite en avantage, il y a pas mal de spawn kill, donc c'est ça qui est bien. Donc voilà, donc moi j'ai plus grand chose à vous dire, j'en suis vraiment désolé, c'était juste pour vous dire qu'il y avait une nouvelle intro, des nouveaux logos qui ont été arrivés, donc on aimerait bien savoir vos avis, qu'il y a moins de recrutement et que la team se relance, voilà, la AXA Clan est en force, donc n'hésitez pas à commenter avec un petit hashtag AXA Clan avec un cœur ou un truc comme ça dans les commentaires, c'est vraiment super plaisir. Donc voilà, là il est à 25. Donc je pense que je vais commenter le gameplay avec vous jusqu'à temps qu'il débloque ça. J'ai hey, des bombes. Donc voilà. Donc là il était en assaut si je me trompe pas. Il avait le petit piratage système, le petit drone et le petit bombardement. Voilà. Donc je trouve ça vraiment abusé par contre sur ce jeu qui fout un drone à 600, 700 points, 5-6 kills de du drone. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. D'habitude on débloque un une tourelle 6 kills, donc là c'est vraiment un drone, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc il met un peu plus de temps à débloquer ça, il avait un petit camouflage diamant, donc franchement c'est vraiment bien joué à toi, parce que moi j'ai toujours pas eu ce petit camouflage diamant. Bon voilà, je pense que t'as bien saigné le jeu. Ah oui, aussi on m'avait posé la question si on recrutait sur PS4, oui on recrute sur PS4, mais la plupart des membres sont sur PS3, donc voilà. On recrute aussi sur PS4, sur Xbox 360 et sur Xbox One aussi, n'hésitez pas, mais il y en a qui m'avait posé la question si on recrutait que sur les next gen, mais pas du tout, on recrute sur les old gen et les next gen, donc franchement, n'hésitez pas à postuler si vous êtes joueur Performance Advanced Warfare. Donc voilà, donc moi je pense que je vais vous laisser là, donc de toute façon, l'accueil de fin qui sera... il y a l'accueil de fin qui apparaîtra pour prouver que ce n'est pas du boost. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un avantage ici si vous laissez vos accueils de fin. Puis si vous avez vraiment tout le gameplay, moi je veux pas juste une partie de gameplay. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser. Là au passage il a débloqué sa petite vicieuse. Donc voilà, moi je vous dis peace. À la prochaine vidéo les gars sur l'AXA Clan. L'AXA Clan se relance, ça c'est super. Voilà, n'hésitez pas à répondre aux questions que je vous ai posées dans l'espace commentaire. Donc voilà, donc je vous dis peace. À la prochaine vidéo les gars. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au joueur qui a réalisé la DNA. Et au joueur qui a réalisé la nouvelle intro et les nouveaux logos. Allez, moi je vous dis peace. Et je vous fais des gros bisous. Allez, tchou. We'll be right back.